Ok, donc voilà, ça c'est le truc que madame a préparé. Je vais essayer de récupérer un morceau là. Ok, donc avec ceci, on va essayer, n'est-ce pas, de vérifier. Vérifier si c'est du plastique ou bien si c'est, comment dirais-je, voilà, je vais aller dehors. Je vais appuyer comme ça, voilà, pendant que j'appuie, voilà, ça, j'ai fait une boule pour qu'on essaie d'observer ensemble, hein. Voilà, ça, on essaie ensemble, voilà la boule, voilà. Normalement, le riz ne doit pas faire comme ça, c'est pas possible. Voyez donc le poison qu'on nous envoie, voilà la boule. Maintenant, vous voyez, elle rebondit. Oh là là, ça là là, vous voyez, c'est pas normal, hein? C'est pas normal. Vous voyez, c'est une tisse, hein? Avec ça, je peux jouer au foot, hein? Je peux faire du foot avec ça, comme avant. Voilà, ça me rappelle le football, là, ça c'est un ballon déjà. Donc, vous voyez, on nous fait manger du plastique, on nous fait manger du plastique. Et bonjour au cancer du côlon, bonjour à l'hémorroïde, ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu ce que. Nous avons comme poison envoyé de l'extérieur. C'est pourquoi nous vous disons, bien-aimés, l'Afrique est un continent que les gens veulent éliminer. On veut éliminer l'Afrique parce que le pouvoir originel, n'est-ce pas, a été révélé qu'à l'Afrique. Maintenant, on nous importe ce genre de choses, n'est-ce pas, afin que nous puissions les consommer et provoquer des maladies. Et comme ils savent que les Camerounais consomment beaucoup de riz, alors voilà. Donc partager, c'est grave, et c'est très, très grave, c'est grave, c'est grave. Partager, franchement, c'est grave. Mais vous voyez, c'est pas normal. Le riz ne peut pas rester comme ça. C'est pas sérieux. Voilà. C'est ce que nous disons depuis fort longtemps. Jugez-en vous-même. C'est ce qu'on disait depuis fort longtemps. Voilà. Sortez, n'est-ce pas, des tombeaux blanchis. Sortez des tombeaux blanchis. Voilà les conséquences qui commencent déjà. Voilà le poison. Voilà. Donc, pour ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent ce que l'esprit dit. Shalom.